Voici Bob le pirate, hip 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 hourra. C'est ton grand camarade qui va vers toi. Sur son vaisseau vacillant, il navigue par tous les temps. Voici Pat le pirate. Voici Pat le pirate. Ohé, Moussaillon. Ce jour-là, à bord du vaisseau vacillant, Pat le pirate fit une drôle de découverte. Il courut voir ses amis pour leur faire part de la nouvelle. Moussaillon ! Moussaillon ! Oula ! Je vous apporte une grande nouvelle. Ah ! Moi, j'aime pas les grandes nouvelles. Nom d'un porridge bourré de piment. Bruno adore ça, lui. Allez-y, capitaine, on vous écoute. Eh bien, ceci est un vase qui renferme un message. Oh. Il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur de ce vase. Oh. Et c'est à moi que revient cette découverte. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce vase, pirate? Ça, je n'en sais rien. Attends, envoie-moi donc ce vase par là. Je vais te le casser en mille morceaux. Non, Betty, arrête. Oui, c'est très gentil. Oui, c'est très gentil. Mais je préférerais que ce vase reste entier, comprends-tu? Ah oui, mais tu ne sauras jamais ce qui est écrit à l'intérieur. Oh, peut-être que si. Ah oui? Bruno vient d'avoir une excellente idée. Oh. Si on veut savoir ce qui est écrit à l'intérieur de ce vase, il faut juste que quelqu'un parmi nous y entre sa tête. Et comme l'ouverture est étroite, eh bien, il va nous falloir quelqu'un qui a une petite tête, bien entendu. Et qui a la plus petite tête parmi nous? Bouche cousue. Oh oui, mais Bruno, voyons... N'interrompez pas, Bruno, la panade, je vous prie, capitaine. Bouche cousue va donc introduire sa tête dans le vase. Et ensuite, Bouche cousue n'aura plus qu'à lire ce qui est écrit à l'intérieur du vase. Suite à quoi, on enlèvera... on enlèvera le vase de la tête de Bouche cousue. Et il nous dira ce qu'il aura lu dans le vase. Et le tour sera joué. Oh, Bruno, Bruno, Bruno. Attention, on se concentre. Mmh. Voilà le travail. Ah oui. Et de quelle façon maintenant Bouche cousue va-t-il nous dire ce qu'il a pu lire à l'intérieur de ce vase? Avec sa bouche, évidemment. Oh, capitaine. Oh. Avec sa... sa... Ça va pas marcher. Bruno va immédiatement retirer le vase. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Le vase était bel et bien coincé. Bruno Lapanade avait beau tout essayer, le vase ne bougeait pas d'un centimètre. Tu vas voir. Même Betty ne parvenait pas à le faire bouger. Finalement, Bruno décida qu'il était temps d'employer les grands moyens. Surtout, Bouche cousue, tu restes assis où tu es. Bruno vient pour te sauver. Bruno va juste donner un petit coup, très léger, sur la tête de Bouche cousue, avec ce marteau. Bouche cousue ! La porte est fermée. Tonnerre, tonitruant et boulet de canon. Mon vase est fichu. Oui, pirate, mais tu peux enfin lire ce qui est écrit à l'intérieur. Nom d'un porridge bourré de piment. Laissez Bruno s'en charger. Je suis curieux de savoir. Moi aussi. Tenez, écoutez. Celui qui lit ceci est un crétin. Ah, très drôle. Et en plus, c'est pas faux. Et voilà comment nos amis finirent par résoudre le mystère du message caché dans le vase. Et le vaisseau vacillant s'en alla voguer vers de nouvelles aventures. Ohé, Moussaillon !